Bien, bonjour à tous. Donc, nous voyons la fin des assises qui s'approche à grands pas. J'ai une demi-heure devant moi, je ne sais pas si ça va suffire. Mais effectivement, ce moment de clôture va nous permettre de faire un petit bilan à chaud. Premièrement, il est important de remercier l'équipe d'organisation. Je vais le faire tout de suite et pas à la fin. De toute façon, il y aura des applaudissements nourris à la fin, quoi qu'il arrive. Je vais remercier Elisabeth Chaudois, Dominique Collat, Patricia Doguet, donc qui vous a tous accueillis à l'entrée avec les badges. Astrid Plateau et Gérard Chiquelero qui ont géré les partenaires, entre autres. Emmanuel Vivier qui était à la tribune il y a quelques instants, Julien Dupré, le local de l'étape, et un certain Thierry avec un nom compliqué, mais bon, à voir. Donc, si vous voulez bien les applaudir pour les remercier tous. Alors, je tenais aussi à rendre hommage à mon prédécesseur Yves Condemine, d'autant plus qu'il n'est pas là, vous savez pourquoi, une fusion, ça s'improvise pas. Je tenais vraiment à dire une nouvelle fois, après l'Assemblée Générale où tout le monde n'était pas forcément là, que une bonne partie du travail vient des actions qui ont été initiées par Yves. RGPD un an après, s'il n'avait pas lancé l'idée du PAC, effectivement, on n'aurait pas eu des échanges aussi fructueux sur cette thématique, par exemple. Donc, s'il vous plaît, on va le tweeter. De toute façon, il saura qu'on l'a tous applaudi pour tout le travail qu'il a fait dans la présidence précédente. Alors, je ne vais pas reprendre toutes les thématiques 2019 une par une pour en faire l'exégèse. Je pense qu'on a la chance de capter et de filmer toutes les plénières. Elles seront un jour sur un outil open source de la communauté, visible sur un outil open source de la communauté. Ça, j'en formule les vœux et dans la modification du système d'information du CIR, ça fait partie des sujets que nous traiterons. Donc, je ne vous dis pas sur quel site actuellement elles sont, mais vous le savez. Donc, elles sont filmées à l'exception, évidemment, de la présentation de la cellule nationale logicielle pour les raisons de confidentialité que nous connaissons tous. Des thématiques qui ont été très riches sur le fil rouge de la transformation digitale, qui était aussi le fil rouge de l'année dernière. De toute façon, on n'y coupe pas, on est tous en plein dans cette tourmente ou dans son changement de paradigme. J'ai horreur de dire ça, mais ça y est, ça m'a pris. Changement de paradigme, dès que ce mot apparaît dans une conversation, c'est que je sais que ça va prendre un tour bizarre. La transformation numérique, elle impacte tous nos métiers, les métiers des membres du CIR, mais on a bien vu qu'on ne peut pas simplement réfléchir, nous, dans notre coin, sur l'évolution de nos métiers, et c'était le but de la table ronde d'ouverture. J'étais vraiment ravi que répondent tous à l'appel les différents présidents des associations qui étaient présentes. Les retours que j'ai eus pendant les assises sur la richesse des échanges, les thématiques abordées, les pistes ouvertes. Alors, par ordre alphabétique, on avait l'association des DGS, la DSI, nous avions l'ANSTIA, nous avions le CUM, le CIR avant le CUM, nous avions les VPNUM, les échanges qu'on a eus là pendant ces derniers jours avec les différents participants nous montrent qu'il faut absolument capitaliser sur les pistes qui ont été ouvertes. Pendant le bilan de l'Assemblée générale, on a cité le mot hackathon.
Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot hackathon? J'avoue, on peut y mettre beaucoup de choses. Donc, pour l'instant, c'est un mot qui est apparu lors du bilan de la journée thématique avec l'ANCIA et le CUM, mais clairement avec les autres associations, avec la DGS, la DSI, VPNUM, il faut qu'on pilote un dispositif qui nous permettra. Alors, il peut prendre deux formes. Et là, bon, je donne des pistes, mais c'est moi qui parle. Il n'y a eu aucune concertation pour l'instant. Mais ça peut prendre deux pistes. Ça peut être ouvrir le débat et donner des idées, ou monter un prototype et faire une proof, une POC, une proof of concept, une preuve de concept en mode design thinking. C'est-à-dire que hier soir, étant assis à côté de Mehdi Garsala, il me faisait un retour d'expérience alors sur un autre format qui s'appelle le Barcamp, avec des experts du numérique du monde entier dans le cadre de l'Organisme mondial de la santé. Mehdi, je ne vais pas raconter tout ce que tu m'as dit, mais c'était très, très enrichissant de voir qu'on pouvait, avec... aidé par des médiateurs spécialisés dans ces techniques, hein, on ne va pas s'inventer spécialiste dans l'art du faire émerger des problématiques et accoucher de thématiques, accoucher de pistes. Budget OMS oblige, c'était des experts du MIT qui étaient là pour faire émerger des choses, et manifestement c'était extrêmement riche. Donc associer tous les acteurs des associations professionnelles, si on parle des métiers, il faut quand même qu'on pense aussi aux DRH. Hein. Donc, je pense qu'à un moment ou à un autre, les DRH des établissements seront impliqués, seront invités. La DRH du ministère, ça peut être notre cible. Ça peut être dire, on va réfléchir tous ensemble sur l'évolution des métiers qui sont bouleversés, les nouveaux métiers. Toutes ces pistes, est-ce qu'on fait un livrable et qu'on le donne à la DRH du ministère pour dire, tenez, regardez, on a bien cogité, si un jour vous faites un référence, parce que ça arrivera probablement encore une fois, vous aurez matière à réflexion derrière ce qu'on a fait. Ça, c'est une piste. Mais il y en a d'autres. Donc, je pense que c'était un moment très fort, cette table ronde, et ça va aussi impliquer des réunions interbureau entre les associations, initier des passerelles, des ponts, pour qu'on ne soit pas le CIR et rester sur une réflexion du CIR. Et ça, on l'abordera justement sur une nouvelle formule du conseil d'administration, donc qui aura lieu le 1er et le 2 juillet, avec un temps vraiment de séminaire, en plus que généralement les thématiques des conseils d'administration, on est plutôt dans l'action. Alors la logistique des assises, je vous engage à répondre au questionnaire, à l'enquête qui va vous être tous envoyée par mail. S'il faut bien répondre à une question, ce qui m'intéresse vraiment de savoir, c'est est-ce que ce format inédit dans le cadre des assises du CIR vous a convenu ou pas? Est-ce que le fait d'être dans un JRS-like, puisque je l'ai entendu, d'être dans un auditorium, dans un palais des congrès, on a plutôt l'habitude de ça quand on va au JRS, pas quand on va au CIR. Les assises du CIR, j'ai entendu par ailleurs, ah oui, mais nous on aime bien le côté familial, on est tous ensemble, on est dans un centre, une unité de lieu, le soir on se réunit tous parce que finalement on n'a pas moyen de sortir parce que le centre-ville est très loin, voilà. Tout s'est passé, y a eu toute une histoire du CIR avec ces centres et l'unité de lieu. Elle a eu lieu aussi à Cannes, mais là pour le coup c'était dans un hôtel. Mais on était dans le même hôtel et on restait ensemble du début jusqu'à la fin de la journée, parfois même tard. Ici, vous voyez, c'était un peu différent. On avait le palais des congrès, mais on avait quand même réservé deux hôtels assez limitrophes. Donc voilà, sur cette logistique,
J'aimerais bien que vous vous exprimiez tous, pas seulement ceux qui sont pas satisfaits, mais ceux qui puissent nous dire, voilà, ça, ce format j'aime bien, je vous propose autre chose, pourquoi pas. Je vais remercier les partenaires, parce que quelque part, équilibrer le budget des assises, hein, ben c'est aussi parce que on a des rentrées d'argent grâce au stand. Il faut savoir que c'est le seul financement qu'on a. On ne demande pas de subvention à quelque organisme que ce soit dans le cadre des assises. Je vais pas les citer tous, hein, parce que on a tous faim. Si je les ai pas listés et que j'en oublie, ça fait tâche. Donc, je vais quand même citer les deux sponsors principaux d'hier, qui étaient les apéritifs, avec Cap Monétique le matin et Dell l'après-midi. Et quand je regarde à nouveau le programme, je me dis, oh là là, quelqu'un qui va regarder a posteriori le programme des Assises du CIR, il va se dire, mais pourquoi ils font deux apéritifs par jour, ces braves gens? Il faudra peut-être mettre un la veille et un autre le lendemain. Ça fait moins assises beuverie, quoi. Le soir, donc, le repas de gala. Il y avait un nouveau partenariat cette année avec EdTech France, donc une structure qui fait la promotion des entreprises, beaucoup de start-up, mais pas que des start-up, dans le domaine des technologies pour l'éducation. Il y avait un village, entre guillemets, de start-up, quand même 5, qui étaient présentes. J'espère que vous avez pu les rencontrer. Les retours que j'ai eus de leur part étaient extrêmement satisfaits. Vous étiez vraiment dans leur cœur de cible. Donc, EdTech France a bien fait son travail et je remercie Rémi Chal. C'est probablement quelque chose sur lequel on va retravailler, parce qu'il y a eu 5 présents, mais c'était peu d'élus par rapport à tous ceux qui avaient envie de venir. Donc on ne pouvait pas non plus faire un village de 15 start-up EdTech France. Il faut réfléchir à peut-être un autre événement à venir, une journée thématique EdTech CIR, sur lequel on va réfléchir au sein du conseil d'administration. Il faut voir aussi qu'un des partenaires cette année, que je ne citerai pas pour des questions d'équité, était une start-up à Cannes. Cette année a fait l'effort de venir et de prendre un stand avec nous. Et eux aussi étaient extrêmement satisfaits de leur présence. Voilà, donc ces quelques mots pour conclure les assises. Personnellement, j'ai passé un très bon moment. J'ai retrouvé beaucoup de collègues, mais aussi d'amis. J'espère qu'il en est de même pour vous. N'oubliez pas ceux qui ont pris un panier repas, ce serait dommage de gâcher de la nourriture. Donc, il est important de prendre ce panier repas en des moments où on parle de développement durable. Je remercie l'UNISTRA, l'Université de Strasbourg, l'accueil que nous a fait Frédéric Béant, l'amitié qu'il nous a fait de participer à la table ronde avec sa casquette président de la DGS. Je remercie Emmanuel Autin, la DSI de l'UNISTRA, la directrice du numérique, pardon, de l'UNISTRA, qui va nous aider à stocker les kakémonos, ce qui nous évite de les porter dans le train, et ça c'est vraiment très très appréciable d'avoir des personnes qui nous aident spontanément. Donc merci beaucoup à tous d'être présents, d'être venus et de faire vivre le CIR.